Après le clip, là, la petite vidéo que je vais te partager, dont on va, faut qu'on ait une conversation au sujet de ça, là. Après avoir vu ce clip, tu seras comme moi et tu vas te dire, je pense que les femmes modernes ne réfléchissent pas avant de parler. Ça ne tient qu'à moi, mais je pense que tu vas te dire, là, les meufs, elles réfléchissent pas. Elles sont toutes là, oui, j'ai pas besoin d'hommes, tout ça, all the single lady, all the single lady, elles sont trop contentes, elles s'ambiancent. Après, quand le gars, ils partent, tellement les gars, ils partent même dans les autres pays. Il y a même un mouvement qui s'appelle passeport bro, ça veut dire passeport de frère, je sais pas, bon, bref, passeport bro. Genre, les gars, ils vont dans d'autres pays pour chercher des femmes tellement. Ils sont là, mais pourquoi ils partent? Ils sont sécures ces gars-là. Non, ils sont sécures. Donc, c'est incroyable. Donc, regarde cette vidéo-là et on discute de ça après. There's black men out here getting it, and they don't want to run into women that's masculine, that's always talking about how they don't need a man. You're right, they do run. They run away from those women and go find women that's feminine, fit, and friendly. That's who we want to surround ourselves with. But again, if we're constantly hearing, I'm strong, independent, and don't need no man, of course they're going to run away from that. Like, would you blame a man for running away from that? No, but I feel like you should put more enlightenment on the situation and not just leave it alone. If I'm telling a man, okay, I don't need you, I got my own shit, you go about your business. Yo, you don't need me, bye. Yeah, like what about what's the argument? What you supposed to say? You don't need me. What you supposed to say that? You don't need me equivalent to you don't love me. You don't care about please. Me. Please. Like what the fuck is that? Et tu vois, c'est super. Attends, c'est super intéressant parce que je pense que même quand elle le disait. Tu sais, dans leur délire, elles pensent que ça déchire. Ouais, je suis fort, j'ai pas besoin d'hommes, etc. Il y en a certaines, parce que ça, j'ai déjà vu des vidéos, qui pensent que quand elles disent ça, genre, le gars va dire, oh ouais, ça déchire, j'ai besoin d'une femme comme ça. Mais en fait, elle dit tout l'opposé de ce qu'un homme recherche chez une femme. En fait, ce qu'elle recherche, ben, en fait, elle décrit des traits masculins, donc c'est l'opposé de ce qu'un homme recherche chez une femme. Donc, elle pense que comme elle recherche ça, elle devient l'homme qu'elle voudrait avoir. Ouais, mais du coup, si les hommes sont attirés par. Les hommes ne sont pas attirés par les hommes. Ils ne sont pas attirés par les traits masculins. Mais c'est trop intéressant de voir comment, genre, ils réfléchissent pas. Je pense que ces meufs-là ne réfléchissent pas. Elles sont là. Ouais, j'ai pas besoin d'un gars. Nanani, nanana. Comme Kiki Palmer. Bon, ouais, c'est de la frustration. Elle a dit, j'ai pas besoin d'homme. Et moi, j'ai que besoin d'argent. Ouais, tu disais, il y a deux semaines, tu disais que ton gars, c'était l'amour de ta vie. Une fois que tu avais les fesses à l'air, bah oui, il n'a pas aimé, là. Il l'a partagé sur les réseaux, sur Twitter, et voilà, il s'est senti dérespecté. Tu es là en train dans les bras de Cher et les fesses à l'air. C'est sûr que bon, il a un peu mal pris, le gars. Hein, je lui ai dit, je vais quand même lui envoyer une petite crotte de nez sur Twitter. En plus, pas grand-chose, ouais, pourquoi t'es une mère, pourquoi tu as les fesses à l'air? À un moment donné, mais c'est juste incroyable. Donc, j'ai pas besoin d'homme, et en plus, tu aurais voulu que, genre, on réagisse, genre. Ah bah c'est super, bah vas-y on reste alors. En fait j'ai toujours surpris. Donc les meufs elles réfléchissent pas. Elles parlent comme ça et pensent qu'elles déchirent et puis elles comprennent pas que les gars ils partent. Parce que même là on voit, parce que là elle a dit, quand elle a dit ouais, est-ce que tu veux blâmer les hommes pour ça? Ah, on sent qu'elle aurait voulu. Elle a dit non mais quand même, non quoi. Tu dis t'as pas besoin des hommes, que t'as ton argent, que t'es forte. Eh ben ok, cool, bye, tu vois. Donc, dis-moi bien ce que tu en penses en commentaire, mais je pense que les meufs, elles réfléchissent vraiment pas. Parce que à la fin, qui est-ce qui va perdre? C'est pas les hommes, hein. C'est les femmes. Alors, pour les hommes, c'est frustrant ce moment présent. Mais vu que les hommes, c'est toujours, comment dire, le game, c'est long terme pour les hommes. Donc, ok, quand ils vont avoir les hommes de la vingtaine, ils galèrent et tout, etc. Mais quand tu arrives après 35, 30, 40, 50, c'est long terme, c'est un game qui est long terme. Les femmes, leur game, c'est de 20 à 30 ans. Okay, leur pic, il est de cette période-là, 20 à 30 ans. Un homme, c'est 35-50. Et ça, c'est réel, ça. C'est réel. Donc, nous, sur le long terme, on va gagner. Et elles, toutes les femmes qui ont fait, oui, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'un homme, elles disent ça pendant quelques années parce qu'elles ont l'attention des hommes. Donc, les gars viennent à elles. Donc, elles se la racontent. Elles font leur maline. Mais quand elles vont commencer à avoir moins d'attention, là, elles vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Si, j'ai besoin.
Voilà. Donc, bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Ok, avant de créer un hack, regarde quand même. Sinon, tu as aussi mon groupe des 10% si jamais tu veux aller plus loin et accéder à toutes mes formations. C'est un groupe où je te montre exactement comment atteindre les 5000 euros par mois. Tu as toutes les stratégies dedans, comment investir les cryptos, comment trader les cryptos, comment investir dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il y a d'autre que sur le personal branding, enfin tout pour créer un business en ligne, savoir investir. Je te partage aussi charisme, confiance en soi. Enfin, tu as énormément de choses, ok? Check ça dans la description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais à ton camp.